Je me présente, je m'appelle Brice, je viens de Nice, enfin de Nice. Ici c'est mon fief, alors si vous voulez des cours de surf, vous m'appelez pas, je suis en vacances. Hi Kevin, ça farte? Ouais. Mais qu'est-ce que ça fait à tes cheveux? On dirait un pompier. Non Kevin, c'est pas fun. Mais comment tu vas faire pour surfer maintenant? Ah non, mais sans tes cheveux, t'es stérile. T'es plus qu'à aller ramasser des coquillages, si tu veux. Hein. Ah, je t'ai cassé. D'un seul coup, tous ces mots, hein, côte à côte, ça forme des phrases. Et toutes ces phrases, côte à côte, ça forme une histoire. Une histoire d'amour. Celle de l'auteur. Arlequin. Arlequin, c'est un champion de l'amour. Hein. C'est le champion de l'amour. Hein. Bon, admettons, hein, arrive une chauve-souris enragée. Hein. Alors elle est là, elle bave, elle trifouille mon code. Hein. Bah si, une chauve-souris enragée, quand c'est enragé, ça trifouille, ça cherche. Hein, et bon. Alors je suis remontée tout de suite dans ma chambre avant que le film
charge. Et au bout de, je sais pas moi, un autre demi-Dorothée, ce qui commence à faire très très long, surtout avec les musclés, le film est fini. Oh, non. Les parents, ils font pas bien à manger. Non, ils font pas la bonne bouffe. Ils mettent trop de vinaigrette dans la salade. Et je leur dis... Bon, ça va, j'aurais pu vous les rassurer. Mais ils comprennent rien. Ils sont bouchés. Mais ils aiment pas ça quand je leur dis des choses comme ça. Et là, ils me grondent. Et moi, ça me blesse. C'est plein, non? Ouais, mais c'est légal. Attention, maintenant, question facile sur le cinéma. Ah attention, ouais, toujours, facile. Main sur le buzzer, concentration maximale. Attention, question. Sur le cinéma, quel acteur a interprété le premier rôle de James Bond? Oui, je sais, c'est... Oui, Mamadou, oui. Non, c'est une connerie. Oui, exact, Mamadou, c'est une connerie. Bravo, vrai, bon, maintenant que vous êtes parés pour la lecture, je m'en vais vous lire le meilleur passage du livre. Attention, on va s'évader. Ah oui, ça. Très important, ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est un marque-tapage. Très important, le marque-tapage. C'est pour pas à chaque fois relire ton bouquin du début. Ah non, sans ça c'est chiant, hein. Sans ça c'est méga chiant. Moi, je vois au début, je mettais rien, même bien le cas, j'ai failli arrêter. Tu m'inscris chez Bazar, forcément. On va délibérer. Passez dans la pièce d'à côté, ils sont en train de tourner un film, ils ont besoin de figurants. J'ai dit, ok, j'y vais. Mais dans un quart d'heure, je suis là. Parce que je m'appelle Mongolais, je suis un ici, vous avez compris? Je suis passé voir le film. Qu'est-ce que c'était le film? Qu'est-ce que c'était? La guerre du feu. Vous avez vu le film La guerre du feu? Avec les animaux préhistoriques tout poilus. Même que la maquilleuse m'a dit passez, vous rentrez, pas besoin de maquillage. J'ai dit ok, je rentre dans le film. Vous l'avez vu le passage où il y avait des femelles qui allaient boire au ruisseau? Oui, vous l'avez vu? Où il y avait un sacripant qui était caché derrière dans les fouillis et qui vient par derrière, slika, slika. Eh ben c'est tombé sur moi. Eh oh, 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 j'avais soif. Madame la 600 Fofiole, ce qu'est-ce qu'on voudrait, moi et puis Simone, ma femme, c'est qu'un petit peu qu'à 7 ans, notre fils, Michel, eh ben, il est vol. Lui? Mmh, oui, évolue. Excuse-moi, madame, j'ai pas conjugué. Donc, qu'évolue, Michel, hein, qu'évolue, toi. Et qu'un petit peu que là-dedans, il y ait des bagages. Pas de vacances, hein, des bagages de l'école. Ah, que c'est un petit peu, tu peux lui mettre du PC, hein, un minimum, quoi. Juste lire, écrire, conduire, quoi. Que, enfin, on puisse dire enfin, comme son père, intellectuel. Un intellectuel. Deux fois, hein. Et c'est du mime encore. C'est un escalier. Ah, les amateurs de mime se régalent, hein. Bon, allez, encore un escalier. Encore un étage. Ouais, il faut descendre maintenant. Oh, je suis claqué. Oh, ça crève l'escalier, alors. Ah bah oui, j'ai pas faire l'ascenseur, Bien. Oui, je vis seul. Ah non, mais attends, c'est génial de vivre tout seul. Ah non, mais si vous êtes ensemble, séparez-vous. T'es là, t'es tout seul. Waouh, je suis tout seul. Oh, génial, ouais. Ah, t'es, non, mais tu peux faire ce que tu veux quand t'es tout seul. Tu peux, tu fais rien. Non, tu regardes la télé, ouais, tu prends la télécommande, tu l'allumes, tu zappes, t'en fous, t'es tout seul. Non, tu vas faire la cuisine, ouais, t'ouvres le frigo, il est plein mon frigo, tu manges, tu peux tout manger, personne t'engueule, et tu grossis tout seul. Non, le matin, avec tes biscottes, tu mets des miettes dans ton lit, ouais, et tu te grattes tout seul. Non, hé, t'as moins de vaisselle. Mais c'est toi qui l'as fait. Je vais bien. Je suis
et le docteur Butag, hein, l'accoucheur de votre femme, madame Lambert. Non, ce n'est pas un garçon, non. Non plus, non, non. Ni un garçon, ni une fille, ni un lapin, ni un saumon. Pardon, c'est l'émotion. Non, c'est un gaz. Oui, votre femme a fait ce qu'on pourrait appeler en termes médical une grossesse gazeuse. Je l'ai dans la gana. Mon argent et mes biens. Je l'ai dans la gana. Mon amour et ma sexualité. Je l'ai dans la gana. Mon permis et de conduire. Bernard, se calme. Hein. Tu es beau, Bernard. Mais oui, tu es beau. Hein. Les limoniers t'habitent encore, hein, Bernard. Hein. Et c'est mal. Bon, suivant. Bon, candidat suivant. Suivant. Seconde, y'a pas le fun, hein. Non, monsieur, je vous en prie, y'a du monde, dépêchons-nous, allons. Seconde, qu'on vous dit. On a bien le droit de prendre un petit remontant avant l'examen, non? Mais oui, bien sûr, monsieur. Hein?